je suis Marie-Georges Pagel-Prousse et je vais d'abord vous parler de l'Union Rempart, dont je suis la présidente, et je vous présenterai ensuite Dominique Garcia, l'éminent président du non moins éminent Institut National des Recherches Archéologiques Préventives. Alors Rempart, c'est une organisation nationale qui est née en 1966 et qui a pour ambition d'associer des citoyens autour d'un projet concret et collectif sur le patrimoine. Nous avons fait le choix de nous organiser en union d'associations et notre réseau compte désormais 180 associations locales et régionales partout en France. Évidemment, l'implication pour le patrimoine dépasse les frontières, donc nous avons noué des relations étroites avec plus d'une cinquantaine de partenaires dans une trentaine de pays. Chacun de nos projets est local, bien sûr, et s'attache à la mise en valeur, à la sauvegarde, à l'animation d'un château, d'un lavoir, d'une abbaye, d'un village. Cet élément du patrimoine étant au cœur du projet associatif local, il en est à la fois le but et le support. Le but, car il s'agit de restaurer, de réhabiliter, de transmettre aux générations futures un patrimoine que nous avons hérité du passé. Et le support, car pour en parler, le patrimoine constitue un objet de formation, de découverte, d'apprentissage, d'inclusion, de socialisation des personnes, jeunes ou moins jeunes, qui participent au projet. Nos associations ont une responsabilité éminente lorsqu'elles s'engagent dans une action de restauration et de mise en valeur d'un élément du patrimoine, protégé ou non au titre des monuments historiques. Qu'il s'agisse en effet de travaux de restauration, de déblaiement ou même de fouilles archéologiques, l'intervention sur le patrimoine est presque toujours irréversible et destructrice des traces du passé. Une tranchée qui est faite le long d'un mur détruit irrémédiablement la corrélation entre les sols d'occupation et ce mur. De même, le piquage d'un enduit ou le rejointoiement d'un mur, la restitution d'un élément de maçonnerie peuvent masquer ou détruire des étapes de construction d'un bâti ancien. Donc à cet effet, il faut bien sûr documenter les étapes et il s'agit là d'une entreprise sérieuse qui passe par la prise de photographies, par des relevés architecturaux ou du calepinage, etc. Et parmi les chantiers portés par Rempart, plusieurs offrent la possibilité de s'initier aux techniques de l'archéologie. Ce domaine ne se réduit d'ailleurs pas à la fouille du sous-sol. La recherche archéologique porte aussi sur l'étude de tout ce qui est hors du sol, c'est-à-dire les élévations qui sont étudiées grâce à l'archéologie du bâti. Parce que restaurer un bâtiment, qu'il soit classé ou non, nécessite de le comprendre, ses différentes phases et méthodes de construction notamment. Et l'archéologie et la restauration du bâti sont donc intimement liées avec pour but de restituer et de faire connaître au plus grand nombre notre patrimoine commun. Vous le savez probablement, la France dispose d'un code du patrimoine qui garantit la protection du patrimoine archéologique et qui encadre la recherche dans ce domaine. L'archéologie préventive vise à préserver la connaissance du patrimoine archéologique lorsqu'il est menacé par des travaux d'aménagement, et l'archéologie programmée est motivée par des objectifs scientifiques indépendants de toute menace urgente pesant sur des vestiges archéologiques. Les fouilles archéologiques ne peuvent être entreprises qu'après autorisation accordée par l'État. Et de même, le service régional d'archéologie prescrit toute opération d'archéologie préventive qu'il juge nécessaire pour les dossiers d'aménagement dont il est saisi, que ce soit des permis de construire, permis de démolir ou travaux sur monuments historiques. Alors comment a évolué cette discipline archéologique? Eh bien, aux origines, en fait, il y a deux courants antinomiques qui s'affrontent. Il y a les chasseurs de trésors, on va dire, qui ne recherchent que des objets précieux de préférence, sans aucun égard pour leur environnement naturel ou historique. Et dès l'époque de la Renaissance, des réseaux de violeurs de tombes, de collectionneurs ont contribué à la destruction irrémédiable de couches archéologiques. Et cette pratique sauvage de l'archéologie du trafic d'œuvres d'art est maintenant interdite, bien sûr, et poursuivie par la loi, et pourtant elle n'est pas encore extirpée des mentalités. Mais dès l'époque de la Renaissance, on voit aussi des humanistes passionnés par la culture de l'Antiquité, par tant de textes retrouvés, qui ont entamé des recherches qui, amplifiées et améliorées à l'époque des Lumières, ont abouti à une démarche plus scientifique. Pourtant, au risque de choquer, et loin de moi l'idée de blâmer totalement ces fameux chercheurs, parce qu'il y a peut-être au fond une ambivalence dans ces chercheurs qui sont le reflet d'une époque où on ne s'intéresse qu'à ce qui est assez clinquant,
les grands monuments et non le patrimoine vernaculaire, les objets précieux et non les restes de repas du quotidien. Au cours du XXe siècle, l'intérêt pour le passé s'est élargi jusqu'à toucher toutes les périodes, de la préhistoire à l'époque moderne et même contemporaine avec l'archéologie industrielle ou l'archéologie des grands conflits du XXe siècle. Les archéologues d'aujourd'hui, quel que soit leur profil, ont en commun avec ceux des siècles passés un point connu de tous, ce sont des passionnés. Cet enthousiasme pour leur discipline fait d'eux en général de gros travailleurs, souvent enclins à essayer de faire partager leur intérêt pour leur recherche, parfois jusqu'à la monomanie, pardon Dominique, mais j'en connais beaucoup. Malgré cette caractéristique commune, les archéologues présentent des parcours et des profils professionnels extrêmement divers. Les archéologues d'aujourd'hui ont pris l'habitude de ne plus travailler seuls, mais d'appartenir à des équipes plus ou moins nombreuses, composées de géologues, botanistes, zoologues, anthropologues, topographes, mais aussi des architectes, des archivistes, des conservateurs de musées. Et les archéologues de l'INRAP, vous le verrez avec Dominique Garcia, réalisent des opérations d'archéologie préventive pour les grandes opérations urbaines ou routières. Alors, bien sûr, à ce propos, le principal reproche qui est fait aux recherches archéologiques est bien sûr le retard qu'elles entraînent pour le début programmé de travaux, un début qui peut avoir été déjà contrarié par des encombres financières ou administratives. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'un retard. Les fouilles sont prévues dans le planning des travaux. Et en fait, quelques mois de retard ne devraient pas peser bien lourd en regard de l'importance des découvertes qui peuvent éclairer d'un jour totalement nouveau l'évolution topographique d'un site que l'on pensait déjà connaître. Dominique nous le prouvera tout à l'heure. Et justement, qui mieux que lui pour nous expliquer maintenant ce qu'il en est sur le terrain ? Dominique est en effet professeur des universités, il est docteur en histoire des civilisations et il est donc président de l'INRAP. De fait, il est archéologue et historien, spécialiste de la proto-histoire européenne et de la Gaule pré-romaine. Nous avons cette grande différence, Dominique et moi, c'est que Rahan, Ayla et Jean Dallard, qui ont été fondateurs de mon engouement de jeunesse pour la préhistoire, qui perdure, alors que je le soupçonne d'avoir hésité entre Alix et Astérix avant de préférer sans doute le côté irréductible de notre Gaulois national, il nous le dira peut-être. Dominique, c'est avec un très grand intérêt que nous allons maintenant vous écouter nous présenter les grandes découvertes de l'archéologie préventive en France. Merci. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui parmi vous. Très sincèrement, également mes remerciements à Madame la Présidente de Rempart, chère Marie-Georges Brousse, pour cette introduction coupée, mais on échangera tout à l'heure si vous avez quelques minutes. Également, merci à l'Alliance française d'Île-de-France, au comité d'entreprise de la RATP, à l'Institut français et à la Fondation des Alliances françaises, qui chacun à leur niveau, mais tous avec le même agréable état d'esprit et une qualité de dialogue remarquable, ont suscité ma venue parmi vous ce soir pour parler d'archéologie. Alors, je me présente, je m'appelle Dominique Garcia, je suis archéologue, professeur des universités à Aix-Marseille et à l'Institut universitaire de France, et je préside un institut qui s'appelle l'INRAP, l'Institut national de recherche d'archéologie préventive, dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure. Dans la période de crise sanitaire, mais aussi de crise économique et parfois sociale que nous traversons, on pourrait d'ailleurs s'interroger sur la pertinence de s'intéresser au passé, aux vestiges archéologiques, à ces ruines qui parfois freinent l'aménagement du territoire et la dynamique d'activité et de construction. Mais l'ensemble de la communauté archéologique a su s'adapter à cette situation inédite, car elle a bien perçu que veiller à concilier l'aménagement du territoire et la préservation du patrimoine était aujourd'hui plus que jamais nécessaire. En effet, il est certain que pour effacer les fractures qui naîtront de cette crise sanitaire, mais aussi, je le disais, économique et sociale, notre pays devra renforcer les liens culturels, dont ceux qui sont tissés par la connaissance archéologique. Tous, nous aurons sans doute besoin, plus que jamais, de cadres historiques, de repères collectifs, de biens patrimoniaux communs, d'éléments de notre patrimoine à partager. Nous devrons donc faire face au passé,
parfois avec interrogation, parfois avec émerveillement, c'est important, je vais essayer de le faire dans quelques minutes, afin d'affronter l'avenir et renforcer nos liens sociaux. À l'INRAP, ce sont pas moins de 2300 sites que les chercheuses et les chercheurs de mon institut ont expertisé ou fouillé en 2020 grâce à l'appui de l'État et sous le contrôle scientifique et technique du ministère de la Culture. Et donc, 2300 sites chaque année en France environ qui sont étudiés, préservés de la destruction et étudiés par des spécialistes. Donc, quelques images pour vous présenter mon institut et nos démarches. C'est des fouilles qui sont réalisées partout sur le territoire national et dont des fouilles qui sont liées à l'aménagement, c'est-à-dire que les archéologues ne choisissent pas dans un premier temps les sites archéologiques qui vont étudier. Ils vont en fin de compte être renseignés par les services de l'État sur des lieux où vont avoir lieu des travaux d'aménagement du territoire. Et en préalable à ces travaux d'aménagement du territoire, les archéologues vont expertiser et étudier les sites archéologiques. Donc là, mettons, cette carte vous présente l'investissement de l'INRAP pour une année, pour 12 mois d'intervention. Vous voyez, ça touche tout le territoire national, mais également l'outre-mer. Et nous intervenons sur des sites archéologiques de la préhistoire à la plus ancienne jusqu'à la période contemporaine. Établissement public national, culturel et scientifique, c'est-à-dire que nos missions sont d'expertiser les sites, ce qu'on appelle les diagnostiquer, les fouiller lorsque c'est rendu nécessaire et lorsque l'État le souhaite, mais ensuite on a des missions de valorisation du patrimoine et de partage de la connaissance, parce que par définition, l'archéologie n'a de sens que si, bien entendu, les résultats sont partagés avec le plus grand nombre. Fouiller aujourd'hui quelques éléments clés, ça nécessite beaucoup de femmes et d'hommes qui s'investissent sur le terrain. L'archéologue est bien loin de l'image de l'Indiana Jones seul ou entouré de quelques ouvriers. Les fouilles, ce sont d'abord des équipes et ce sont d'abord des laboratoires à ciel ouvert. Donc l'INRAP, c'est plus de 2200 collaborateurs qui associent leurs compétences, tant chronologiques de la préhistoire à la période contemporaine, que thématiques. On a des experts en topographie, en anthropologie, sur les pollens, sur les ossements, etc., etc. Donc on essaie de capter l'ensemble de la documentation sur le terrain, de la mettre en perspective et ensuite de la partager avec le plus grand nombre. Le travail de découverte des sites archéologiques est un travail qui pourrait surprendre dans des zones qui sont dans lesquelles on doit aménager, construire une autoroute, une voie ferrée, un lotissement, un rond-point. L'État, s'il pense qu'il peut y avoir un site archéologique, demande à l'INRAP ou à certaines collectivités territoriales de réaliser des sondages. Il s'agit d'un diagnostic, donc l'archéologue ouvre la terre, réalise donc un sondage pour essayer de voir si le site archéologique est présent ou s'il n'est pas présent. S'il est présent, voir son état de conservation, et s'il est ensuite conservé, de voir le type d'équipe et le type de spécialité qui sera nécessaire pour ensuite travailler sur ce site-là. Donc, on établit un cahier des charges. Je parlais tout à l'heure du terme de diagnostic. C'est un peu comme en médecine. On fait un premier état, on monte un dossier, et ensuite, si ça vaut le coup, si ça représente un intérêt patrimonial, un intérêt scientifique, à ce moment-là, on va intervenir sur ce site archéologique. Alors, par exemple, vu qu'on ce soir sont connectés avec nous des agents de la RATP, l'INRAP est intervenu dans la région parisienne sur le tracé du Grand Paris, où donc en préalable à l'aménagement du réseau du Grand Paris, l'archéologue vient, réalise des diagnostics et parfois réalise des fouilles, ce qui
qui permet, vous voyez, le principe d'accompagner l'aménagement du territoire, donc l'avenir et l'aménagement du Grand Paris, mais également de garder une mémoire et ensuite de marcher sur deux jambes, si vous me autorisez l'expression, à la fois conserver une image du passé, mais également construire l'avenir et partager la connaissance. Donc sur ce Grand Paris, nous sommes intervenus dans le secteur de Chelles, où on a découvert des vestiges de l'Antiquité et du Moyen-Âge, mais on a aussi fouillé à Vitry-sur-Seine un site qui m'a semblé être un élément extrêmement intéressant d'un point de vue patrimonial. C'était un ancien espace de jardin, une ancienne pépinière qui était devenue un terrain vague au milieu des immeubles et où le diagnostic et la fouille de l'INRAP a permis de révéler une nécropole de l'Antiquité et du Moyen-Âge, qui a pu être fouillé dans son intégralité. Donc, on a pu saisir un moment de la vie extrêmement importante du territoire de Vitry, le passage de l'Antiquité romaine au Moyen-Âge, fouillé cette nécropole, qui d'ailleurs a reçu la visite des habitants des quartiers, des enfants qui ont pu s'approprier ces découvertes, ce qui était leur terrain de jeu, ce qui était un terrain vague, est devenu pendant un certain temps un laboratoire d'études avec des spécialistes avec qui ils ont pu échanger. Et puis, ils garderont sans doute la mémoire de ce vestige, un endroit où va être construit une nouvelle gare qui est en cours de construction et dans lequel, j'espère, on pourra aussi présenter le résultat de nos travaux. Donc, vous voyez le processus. On intervient, on révèle les vestiges qui étaient inconnus, on les partage avec le public et ensuite on laisse libre le terrain à l'aménagement. Alors, il pourrait y avoir une petite frustration, on en parlera peut-être tout à l'heure au moment des questions et des réponses, sur cette archéologie qui, en fin de compte, va effacer les traces du passé, vu qu'ensuite, une fois que nous serons intervenus, les vestiges ne seront plus là et on va aménager le territoire. En fait, il faut garder en mémoire et bien noter que le travail de l'archéologue est en soi un travail destructeur, entre guillemets. C'est-à-dire que l'archéologue fouille les couches les unes après les autres et donc, pour étudier un site, va être obligé de le démonter. Et le travail de l'archéologue, c'est un travail à deux temps. Premièrement, démonter un site en essayant de le comprendre, recueillir les archives, et ensuite, une deuxième étape, mettre en perspective l'ensemble de ces archives pour raconter une histoire et restituer le patrimoine par l'étude. Et c'est ça la dynamique de l'archéologie préventive. Sans la fouille, sans les travaux d'aménagement, on ne connaîtrait pas ce site. L'archéologue intervient, recueille les archives et ensuite en partage l'histoire avec le plus grand nombre et l'aménagement continue. Alors bien entendu, ce type d'archéologie n'a de sens, comme le disait tout à l'heure Madame Brousse, que s'il vient en complément d'autres activités, ceux de sites qui sont sanctuarisés, qui sont patrimonialisés, classés monuments historiques ou autres, et qui sont conservés, on en connaît tous, des sites qui font aussi l'objet de campagnes de fouilles programmées sur du long terme, et donc on a un complément. Les sites qui sont sanctuarisés, parfois même fossilisés, les sites qui sont fouillés en fouilles programmées, et puis ceux qui font l'objet d'une fouille préventive, l'ensemble concourt à une meilleure connaissance de notre passé et un partage de la connaissance. Voilà encore ces opérations qui peuvent avoir une ampleur très très variable. On peut aller de la surface d'une maison, une centaine de mètres carrés, jusqu'à plusieurs centaines d'hectares quand on fouille sur le tracé du TGV ou sur le tracé du canal Nord Seine Europe. Voilà. Donc on est sur quelque chose qui est très variable en surface, qui a fait dire, et je crois assez à cette notion-là, que l'archéologie préventive a transformé la France en grand site archéologique. Là où le site archéologique, le passé, était quelque chose qui était enfoui, limité sur une petite surface, aujourd'hui c'est tout le territoire, c'est tout l'espace
qui permet de mieux comprendre les vestiges et permet une réécriture de l'histoire. Parce que ces vestiges, on va le voir, ça peut être des tombes, ça peut être de l'habitat, mais c'est aussi des routes, des nécropoles, des chemins. Et donc, c'est notre territoire qui devient un grand chantier, c'est notre territoire qui devient un grand livre d'histoire et dont on perçoit un peu mieux l'évolution à travers l'espace de temps. Alors, on fouille dans des espaces ruraux, on fouille dans des endroits d'aménagement importants, comme je le montrais tout à l'heure pour le Grand Paris, et puis on peut fouiller sur des espaces plus ponctuels au pied de monuments historiques pour leur donner aussi un contexte historique. Le but de l'archéologie, c'est de mettre en perspective et donner un socle plus large à la connaissance. Alors, je vais prendre un exemple qui est remarquable, et vous verrez avec des découvertes d'un très haut niveau. C'est des fouilles qui ont été réalisées il y a quelques années par l'INRAP dans la région de Troyes, en Champagne. Dans la banlieue de Troyes, on est dans une petite commune qui s'appelle Lavaux, dans un secteur relativement plan, sur lequel le ministère de la Culture pressentait la présence d'un site peut-être du Moyen Âge. En tout cas, on n'avait pas une idée extrêmement précise de ce qui pouvait y être enfoui, sinon peut-être on y aurait fouillé bien avant. Donc, des diagnostics ont été réalisés. On a retrouvé les traces d'un site sanctuaire et surtout nécropole de l'âge du bronze et de l'âge du fer, qui a permis sans doute une des découvertes les plus importantes à l'échelle européenne. Je vais vous en donner des détails. Déjà, voyez l'ampleur de ce site. On a là un grand fossé qui entourait en fin de compte un grand sanctuaire. Donc, vous avez une petite tente, on va s'en rapprocher, un barnum blanc dans la partie droite de la diapositive qui va recouvrir, on va le voir, une fouille d'une tombe princière. Et l'ensemble a été ensuite sanctuarisé durant l'âge du fer, c'est-à-dire ce qu'on appelle la période gauloise. On va en parler dans quelques minutes. Ces fouilles, bien entendu, c'est sur le terrain où l'ensemble de la documentation est recueillie, mais c'est également, et c'est important ensuite, des travaux en laboratoire. L'archéologue aujourd'hui étudie des monuments en élévation, étudie des vestiges enfouis, mais également prélève une documentation originale qui sont les charbons de bois, qui sont les pollens, qui sont les ossements et qui sont étudiés dans nos laboratoires ou en collaboration avec l'université ou le CNRS. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important, vu qu'aujourd'hui, la documentation archéologique n'est pas constituée uniquement de beaux vases, de belles statues, de beaux silex, mais d'un ensemble, d'un panel d'objets, y compris des pollens, comme je le disais, y compris des charbons de bois, qui permettent de restituer les hommes, leur culture matérielle, mais également leur environnement, et d'en connaître l'évolution. Aujourd'hui, l'INRAP et les archéologues étudient les nécropoles, mais ils étudient aussi l'évolution des maladies, l'état de santé, la démographie des populations. On étudie les fermes, mais on étudie aussi ce qui était cultivé et la mise en valeur des terroirs. Et donc, on essaie comme ça d'avoir des approches transversales sur ces thématiques. On fournit des rapports de fouilles pour chaque opération. Également, on essaie de transmettre la connaissance. Il y a eu des expositions sur le Moyen-Âge, sur les Gaulois, on produit des ouvrages. Actuellement, malheureusement, elle n'est pas présentée au public, mais on produit une grande exposition à Lyon au Musée des Confluences, et vous avez quelques documents sur Internet avec notamment des vidéos, sur une grande exposition de synthèse sur le néolithique, donc le moment où l'homme est devenu agriculteur et pasteur, et on interroge le néolithique, on le met en tension avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène, donc une très belle exposition qui est présentée
officiellement depuis le début du mois d'avril au Musée des Confluences et qui sera présenté encore jusqu'au mois de février 2022. Donc j'espère que très rapidement, nous tous, on pourra voir cette belle expo. Alors, quelques exemples des découvertes majeures de l'INRAP ces dernières années. Vous voyez là une fouille qui a été réalisée en Alsace, dans le Bas-Rhin, sur une commune qui s'appelle Aschenheim, et dans lequel on a découvert une grande fosse néolithique, un silo. Au départ, cette fosse était faite pour conserver les céréales, creusée dans le sol, donc elle servait à stocker les céréales, et donc est un témoignage de ce néolithique que j'évoquais tout à l'heure. Ensuite, le secteur a subi des transformations et des tensions importantes, vu qu'on a là le témoignage probablement du premier conflit interethnique ou de la première guerre sur le territoire national. On est vers 4300 avant Jésus-Christ, donc il y a plus de 6000 ans. Les populations commencent à se sédentariser, s'approprient le terroir. Il commence à y avoir un essor démographique, des enjeux sur les productions, notamment les productions céréalières, et donc il commence à y avoir des premiers conflits dans les populations. Et donc l'archéologie permet là de documenter, alors non pas le premier acte de violence, dès le paléolithique, et probablement dès qu'il y a eu quelques humains, il y a sans doute eu des frictions, mais là, avec le néolithique, avec l'appropriation de la terre, avec l'émergence des pouvoirs, on a les premiers conflits armés organisés, extrêmement violents, et donc dans cette fosse d'Aschenheim, ce sont plus de 10 individus qui ont été retrouvés, tous ont été abattus de façon violente, hommes, femmes et enfants, et dans les différentes traces trouvées tout autour, témoignent d'un conflit à grande échelle qui a effacé de la carte une communauté sur une partie du territoire. Donc, vous voyez, et je vous en donnerai des exemples, l'archéologie, c'est des belles découvertes, c'est des innovations, le fait qu'on puisse marquer et pointer des innovations techniques et culturelles à travers l'espace et le temps, mais c'est aussi des faits de société que l'on arrive à retrouver, à localiser, à documenter, et ici, en l'occurrence, les premières traces d'un conflit guerrier. On peut retrouver aussi, pour la même période, des traces un peu plus sensibles. On est ici dans Normandie, sur le site d'Alizé, dans le département de l'Eure, où mon collègue Cyril Marcini et son équipe ont pu découvrir, en bordure de la Seine, des traces d'occupation qui datent environ de 2000 ans avant Jésus-Christ, donc on est dans une période de transition entre le néolithique et l'âge du bronze, on a des traces d'occupation et on a eu la chance de découvrir des traces de pas datées de 2000 ans avant Jésus-Christ qui étaient encore marquées dans le sol. Donc vous voyez le côté extrêmement sensible de cette archéologie, qui trouve des vestiges importants, qui trouve des traces de guerre, mais qui est capable aussi de figer des instants de la vie quotidienne. On a une sorte de Pompéi, là, de la transition entre le néolithique et l'âge du bronze. Vous voyez sur cette image les traces de pas d'hommes et d'animaux qui montrent sans doute donc un moment où la population, c'est suite à une crue, a été obligé de bouger, de changer, et nous a laissé cette documentation. Tout cela est recueilli, il nous permet d'avoir des informations sur les modes sociaux. Avec aussi, comme je le disais, des éléments sur ce qui marque d'un point de vue culturel le néolithique et l'âge du bronze, qui sont des pratiques guerrières, et notamment là, en l'occurrence, la découverte de balles de fronde. Avançons sur la découverte de Lavaux que j'évoquais il y a quelques minutes, donc en Champagne près de Troyes.
qui correspond à une découverte que l'on peut mettre en liaison avec une série de sites que j'ai pointés sur cette carte, qui sont ce qu'on appelait des résidences princières de l'âge du fer. On est là entre le 7e siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle avant Jésus-Christ, une période qu'on appelle l'âge du fer, mais qu'on peut aussi appeler la période celtique ou la période gauloise, et où les populations de la Méditerranée, les Étrusques, les Grecs et ensuite les Romains, vont entrer en contact avec les populations indigènes de l'Europe occidentale et centrale. Alors, si les Étrusques, les Grecs vont venir dans cette région, c'est pas uniquement par goût d'exploration, c'est pas uniquement pour helléniser nos Gaulois ou nos Celtes, c'est parce qu'ils viennent dans ces régions pour s'approprier des richesses qui sont l'étain que l'on retrouve en Bretagne et dans les îles britanniques, qui sont l'or que l'on retrouve dans le Limousin, qui sont le blé qu'on peut retrouver dans les campagnes celtiques, qui sont l'ambre qu'on retrouve en bordure de la mer du Nord. Et l'ensemble de ces richesses va intéresser les populations de la Méditerranée, l'étain pour pouvoir fabriquer du bronze, si on l'associe avec du cuivre, le blé pour nourrir les villes, l'ambre pour ses vertus magiques et décoratives. Et donc, il va y avoir une première mondialisation, une première connexion entre les mondes civilisés de la Méditerranée et puis ces populations celtiques ou indigènes. Paradoxalement, le secteur qui va le plus bénéficier de ces échanges est un secteur que vous retrouvez là placé sur cette carte, qui se trouve dans une zone d'interfluve, c'est-à-dire la zone de connexion entre la Méditerranée et le nord de l'Europe. C'est dans ce secteur-là où des populations vont maîtriser sans doute le commerce, le portage des matières premières et vont négocier ces produits avec la Méditerranée. Alors la raison est presque géopolitique. Je vais passer rapidement, on n'est pas là dans un cours d'université, mais imaginez ces populations grecques qui arrivent en Méditerranée. Ils explorent la Gaule en remontant la vallée du Rhône et la vallée de la Saône. Ensuite, ils sont perdus un petit peu dans le continent. Et puis, pour se retrouver dans la vallée du Rhin et dans la vallée de la Loire ou dans la vallée de la Seine, il faut qu'ils passent un secteur qui est ce zone d'interfluve. Et c'est donc dans ce secteur, entre la Méditerranée, le bassin versant méditerranéen et le bassin versant atlantique, que vont surgir ces principautés à Vix, à Bourges, à Troyes, qui vont acquérir une sorte de plus-value d'État émergent, qui vont faire une plus-value sur les richesses du monde celtique vendues dans la Méditerranée. Je vais vous en donner des éléments. Alors voilà comment se passe ce commerce. Hein. Nos navigateurs étrusques qui viennent d'Italie ou grecs qui viennent du monde égéen viennent sur les côtes du Languedoc et de la Provence, explorent, entrent en contact avec les populations indigènes, remontent la vallée du Rhône, la vallée de la Saône et vont se retrouver dans ce secteur de Vix et de Lavaux que j'évoque. Rapidement, dans ces régions-là, on va voir surgir de véritables villes. Si vous allez à Châtillon-sur-Seine, vous à quelques kilomètres de Châtillon, vous retrouverez une agglomération importante qui est celle de Vix, où dans début des années 50, on a découvert une tombe extrêmement prestigieuse, celle de la princesse de Vix, dans lequel était découvert un grand vase en bronze et dans lequel on a découvert les restes d'une princesse entourée de bijoux de valeur. Ces découvertes de la tombe sont anciennes. Mon collègue Chaume a fouillé la ville ces dernières années, c'est la naissance de l'urbanisme dans ce secteur du centre de la France. Et puis, je vous disais, à 60 km de là, à Lavaux, grande découverte, grand scoop archéologique, la découverte d'une tombe monumentale, une tombe qui a servi à abriter les restes d'un prince celtique
qui régnait sur cette région de Troie. Cette tombe est une tombe qui fait 4 hectares en surface, dont le tour de cette tombe est limité par des fossés qu'on a été obligé de fouiller à la pelle mécanique. Donc imaginez un vrai mausolée, une vraie tombe protégée par un fossé dans ce secteur, au milieu de ce territoire de la région de Troie, d'une population qui s'appelle les Tricasses et qui porte presque dans son nom la raison de sa puissance. En celte, tri, ça veut dire qui fait voyager, qui fait traverser, et casse, c'est le nom de l'étain, la cassitérite, et dont les Tricasses sont les gens qui portent, qui font voyager l'étain. Et l'étain, c'est, le, comme je disais tout à l'heure, le nerf de la guerre, ce qui permet en Méditerranée de faire les armes, de faire la monnaie, de faire les statues. Il n'y a pas d'étain dans cette région, mais il prenait l'étain qui venait de l'ouest de la Gaule, voire des îles britanniques, il le recueillait et ensuite il le négociait vers la Méditerranée, d'où la grande richesse, d'où ce pouvoir extrêmement fort et l'émergence de ce pouvoir à Lavaux. Voilà à quoi ressemblait la tombe, un tertre, un tumulus, entouré d'un grand fossé, au centre la sépulture, dire aujourd'hui le caveau. Dans ce caveau se trouvait donc un personnage masculin, équipé d'une cuirasse en cuir avec des petits boutons et des clous en argent. Autour de lui, autour de son cou, un torque en or massif, d'environ 800 grammes, avec un décor extrêmement fin d'animaux mythologiques, les. Et puis, la surprise, dans l'angle de la tombe, la découverte d'un grand chaudron d'un mètre de diamètre. Il s'agit non pas d'une production indigène, mais d'une production ou grecque ou étrusque. Ce grand chaudron était décoré de motifs soit de l'Ionne, vous en avez une en bas à droite, soit d'un personnage mythologique que l'on retrouve, un dieu que l'on retrouve dans le monde méditerranéen et qui peut-être a été adopté par nos Celtes, c'est le dieu Achéolos. Alors c'est un personnage dont la barbe est un fleuve, donc c'est un dieu fleuve dont la barbe symbolise le fleuve, qui a une moustache tressée et qui porte des oreilles et des cornes de bovidé. Donc un personnage qui est connu dans le monde étrusque, qui est connu dans le monde grec et dont on a un témoignage là le plus septentrional dans cette tombe de Lavaux, dans ce grand chaudron qui contenait du vin rouge. Donc on va détailler la découverte. Et dans ce chaudron qui à l'origine contenait du vin rouge, on a retrouvé une nokoé, donc un vase à verser à figure noire, produit en Grèce dans les années 500 avant Jésus-Christ, les années 500-480 avant Jésus-Christ. Donc une nokoé est un vase qui sert à verser le vin à des convives. Et donc vous voyez là, on a à l'intérieur de cette tombe, le prince a été enterré avec un service à boire. Le grand chaudron qui servait à présenter et à préparer le vin, éventuellement à le mélanger avec un peu d'eau. Le nokoé qui servait à puiser et à verser le vin. Et puis, on a retrouvé des coupes. Et chose extraordinaire, on va voir sur la photo, c'est que cette nokoé, on en connaît peu d'exemplaires dans le monde celtique, mais on en connaît beaucoup dans le monde méditerranéen. En revanche, c'est un document unique, vu que cette nokoé a été, pardonnez le vocabulaire, customisée. Elle a été améliorée, transformée pour le goût des populations celtiques, c'est-à-dire que le vase en céramique décoré a été rehaussé d'éléments en or sur la bordure, sur le pied. Et donc, on y a rajouté du prix, avec presque un élément de prix universel pour les populations indigènes, qui était l'or,
qui rajoutait comme ça à la symbolique du vin, à la beauté du vase grec, un élément supplémentaire. Alors, les objets dans cette tombe sont extrêmement nombreux, montrent la richesse et la puissance du personnage, le chaudron rempli de vin, le nokoé. On a même, vous le voyez en haut à gauche, une passoire en argent avec un serpent à tête de bélier, une sorte d'animal mythique qu'on connaît dans le monde méditerranéen, mais aussi dans le monde celtique. Et cette petite passoire de quelques centimètres que vous avez en haut à gauche, en argent, servait à filtrer le vin qui était dans le chaudron et qui ensuite était servi aux convives. Vous savez, dans le monde proto-historique et dans le monde grec, le vin était mélangé à des aromates pour masquer sans doute quelques défauts. Et donc, le moment où on le buvait, on était obligé de le filtrer. Et là, donc, on a cette passoire en argent et on a même une petite cuillère percée en bas à gauche, qui vous montre tout le rituel du vin. Voilà donc le détail de cette tombe, le nokoé à la représentation de Dionysos, le grand chaudron avec ses anses décorées de la tête d'un colosse, les restes du service à boire, les vases mais également les passoires, et en fin de compte tout le rituel qu'on retrouvait à l'intérieur de cette tombe, dans lequel on a également trouvé de l'ambre, du fer, une arme, du tissu. Donc quelque chose d'extrêmement fort qui aujourd'hui est étudié au laboratoire du Louvre, le CDERMF, le laboratoire qui étudie les objets pour les musées de France et qui livre des vestiges. Alors ces éléments de prestige qu'on trouve dans la tombe de Lavaux, qui montrent que ce prince avait un pouvoir extrêmement important, sont liés à une activité de commerce intéressante à noter, c'est celle de la diffusion de produits indigènes de valeur vers le monde méditerranéen, donc l'étain, je vous en parlais, l'ambre, le blé, mais la diffusion du monde méditerranéen vers le monde celtique, d'autres éléments qui étaient inconnus du monde indigène, mais qui a intéressé nos indigènes, nos Celtes et nos Gaulois, en l'occurrence le vin. Le vin, la fabrication n'était pas inconnue des populations celtiques, et les Grecs et les Étrusques ont utilisé le vin pour entrer en contact avec ces populations indigènes. Arriver quelque part, offrir du vin, peut-être pas saouler, mais en tout cas permettre un échange plus approfondi grâce à ce liquide et grâce à ce rituel, c'était une astuce diplomatique mise en œuvre par les populations grecques qui, en quelques années, ont inondé le monde celtique de ce vin méditerranéen, ce qui lui a permis une conquête économique et ensuite une conquête militaire avec la période romaine. Mais chose surprenante et intéressante, c'est que l'archéologie préventive a permis de reconnaître, au-delà de cette diffusion du vin, de l'introduction de la viticulture en Gaule. Nous sommes ici dans la région de Marseille, dans l'arrière-pays, où des grands décapages ont permis de découvrir des rangées de vignes datées de la période grecque, du 5e et du 4e siècle avant Jésus-Christ, avec même, passons sur le détail, des pratiques de provignage, donc de production de cèpes de vigne. Et ces éléments-là témoignent non pas uniquement de l'adoption du vin consommé, mais de l'adoption de la viticulture, de la production de raisins et de vin sur le territoire de la Gaule. Cette production à ces périodes anciennes sera relativement limitée, d'abord sur les côtes provençales, ensuite sur les côtes languedociennes, et gagnera très légèrement l'arrière-pays sur ces périodes avant Jésus-Christ. Les traces les plus à l'intérieur des terres ont été révélées par l'INRAP ces derniers mois. Elles ont été découvertes en Ardèche, où on a des traces de vinification. Sinon, le reste de la Gaule, bien entendu, consommait du vin, mais on n'en produisait pas. Et donc aujourd'hui, on a tous ces témoignages de la viticulture, les traces de vignes en bas à gauche,
les traces de production de vin avec des éléments de pressoir, en haut à droite, les amphores produites en Provence pour diffuser ce vin, en haut à gauche, et puis en bas à droite et au centre, on a pu retrouver dans des puits des traces de sarments et des morceaux de souche qui avaient été découpés, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui réécrire une histoire de la viticulture, l'adoption d'abord du vin, ensuite la mise en place de vignobles, mais également les techniques de taille, les techniques de vinification et la diffusion de vin. Et on travaille même sur des études ADN sur des pépins qui permettront peut-être d'en savoir plus sur les cépages dans quelques mois, de quelques années. Voilà l'exemple que je voulais citer pour la période gauloise. Le temps passe, voyons sur d'autres territoires, d'autres découvertes. Allons en Corse pour des périodes avant Jésus-Christ et un petit peu après Jésus-Christ, avec la Corse qui est le premier territoire romanisé de ce qui est aujourd'hui la France. Les Romains arrivent en Corse dès le 3e siècle avant Jésus-Christ et s'installe, et des fouilles récentes menées dans la plaine d'Aleria par l'INRAP ont permis de découvrir ces derniers mois et dernières années dans le secteur de la Majone une nécropole intéressante parce qu'elle permet d'étudier la transformation des pratiques funéraires. On est là entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle après Jésus-Christ. On retrouve des tombes à inhumation et à incinération. Les deux rituels sont connus, la pratique de l'inhumation et la pratique de l'incinération, on devrait mieux dire la crémation, parce que les restes humains ne sont pas transformés en cendres, mais en restes, après le passage sur le bûcher. Donc tout ça a été étudié, notamment sous la direction de mon collègue Laurent Vidal et les études anthropologiques réalisées par Catherine Rijade. Et on arrive comme ça à voir une étude assez fine de la nécropole romaine et des rituels romains sur le territoire de la cité d'Aleria. Mais le scoop de cette découverte a été la mise au jour sous les tombes romaines que vous voyez là en grisé, d'une tombe que vous voyez là en rouge qui est une tombe du 4e ou du début du 3e siècle avant Jésus-Christ, et qui n'est pas une tombe romaine, mais une tombe étrusque. Les Étrusques sont la société, les groupes humains culturels qui se trouvent en Italie entre le Tibre et l'Arno. On connaît les grands sites comme Vulci, Tarquinia, et en partie Rome. Ces Étrusques ont navigué, ont fait du commerce en Méditerranée, et se sont installés sur cette côte orientale de la Corse, ont créé une cité et se sont installés ont vécu là avec un comptoir, une ville, et on a pour la première fois pu fouiller avec des méthodes scientifiques une tombe étrusque, une nécropole étrusque, avec une tombe fouillée dans le substrat, placé dans ce qu'on appelle un dromos, c'est-à-dire un couloir qui ouvrait sur une chambre funéraire, dont les vestiges sont extrêmement importants, en cours d'étude, avec un service à boire important, des objets en or, et on a comme ça des pratiques cultuelles et funéraires qui ont transité de la péninsule italique vers la Corse et qui sont le témoignage de cette présence étrusque en Corse, donc quelque chose d'extrêmement rare. Je passe, rapidement sur ces vestiges. Voilà ce qu'on appelle les urnes cinéraires, donc l'endroit où sont passés les restes du défunt. Voilà à quoi ressemble les crémations, donc le corps du défunt était placé sur un bûcher.
on mettait le feu à ce bûcher, les restes étaient recueillis, placés dans des matériaux périssables ou dans des fosses, et ensuite, autour de ces de crémation, on passait des offrandes. Voilà quelques découvertes spectaculaires, notamment en bas à droite, des pendants d'oreilles nord. J'ai traité trop optimiste sur les images, j'avance, des cas de tombes à inhumation. Alors ces tombes, ces sépultures, bien entendu, c'est pas pour l'archéologue le goût de profaner ou de fouiller des tombes. Un, elles sont fouillées de manière extrêmement respectueuse, de manière précise, mais ensuite l'ensemble de ces tombes aujourd'hui constituent des dossiers importants vu qu'on réalise des études sur l'état sanitaire des populations, sur l'évolution démographique à travers l'étude de ces nécropoles, mais également on fait des études ADN qui permettent de connaître l'évolution des mouvements de population chez ces populations anciennes et récentes. Je passe sur ces images. Voilà le dromos de la tombe étrusque, quelques marches d'escalier, un couloir, et puis au fond, la tombe que nous avons fouillée récemment et qui a livré un ensemble remarquable de la période étrusque. Les vestiges que nous avons peuvent aussi concerner l'activité économique. On a là la fouille il y a quelques années à Marseille, sur au lieu dit la Corderie, d'une grande carrière qui a servi à construire une partie des remparts de Marseille grecque, une partie qui a servi à produire des pressoirs que je vous présentais tout à l'heure, qui a permis de produire des sarcophages. Et donc là, la fouille archéologique découvre en négatif, parce que cette carrière révèle en fin de compte les gestes des premiers carriers grecs. Elles ont été étudiées de manière précise et on a là comme ça une activité économique révélée grâce à l'archéologie préventive. On a aussi des surprises concernant la période antique, médiévale et moderne. Je vais passer rapidement, mais mettons sur Uzès, la ville gardoise connue essentiellement aujourd'hui pour ses vestiges du Moyen-Âge, bien entendu, ou de la période moderne, la fouille de la cour de la gendarmerie pour la construction d'une cantine scolaire a permis de découvrir un ensemble remarquable de mosaïques qui ont été prélevées de la période romaine. Et je vous laisse voilà admirer ces décors de mosaïques qui étaient datés du 1er et du 2 siècle après Jésus-Christ, un ensemble qui était totalement inédit, on ne connaissait pas d'ensemble cohérent sur la ville d'Uzès antique, et la fouille de l'INRAP a permis comme ça de découvrir cette domus, d'en réaliser le plan, de prélever, on parle de déposer, donc de prélever, de déposer les mosaïques qui seront présentées pour certaines sur place, d'autres au musée de la Romanité à Nîmes, et de découvrir une partie révélée de ce passé. Alors parfois les vestiges sont moins bien documentés, mais tout aussi intéressants. On est là à Auch dans le Gers, où on a pu découvrir là aussi une domus en partie spoliée, en partie détruite à l'Antiquité tardive, au Moyen-Âge, à la période moderne, mais dont là aussi les vestiges ont été révélés grâce à l'archéologie préventive et permettront une étude précise de ces secteurs. Passons sur des périodes un peu plus récentes, en l'occurrence le Moyen-Âge puis la période moderne. On se trouve là dans les Hauts-de-France, à Thérouanne, qui était un évêché extrêmement important. Et l'évêché de Thérouanne, on a pu fouiller il y a 3-4 ans la résidence de campagne des évêques de Thérouanne, entièrement dégagé, entièrement fouillé
par l'INRAP et nos collègues du service des collectivités, archéologues des services des collectivités, et qui a permis de retrouver le plan de cette résidence d'été et des documents matériels, des objets, mais également les traces des pavements dont je vous donne là quelques exemples. On fouille également sur des sites patrimoniaux. En l'occurrence, voilà, on intervient en permanence dans le secteur du Mont-Saint-Michel ou dans les rues à l'occasion des travaux d'aménagement, de voirie, de mise en place de tout à l'égout ou de conduits électriques. Les archéologues de l'INRAP conduisent des fouilles minutieuses pour essayer un petit peu de donner des pièces complémentaires de ce puzzle. On a tous en tête la silhouette du Mont-Saint-Michel, son histoire récente, et grâce au peu d'espace laissé libre, les archéologues interviennent, recueillent des informations, des archives inédites, et puis ils essaient de reconstituer comme ça une histoire. L'archéologie préventive, c'est ça, c'est trouver des pages inédites pour pouvoir écrire de manière plus libre l'histoire de ce secteur-là. Et pour terminer, dire aussi qu'on s'intéresse à des périodes récentes et que l'archéologie préventive fouille également des vestiges de la période moderne, de la période contemporaine, et des collègues, en l'occurrence Gilles Prilot, a pu s'intéresser de manière précise dans la Somme à Naour ou dans des anciennes carrières qui ont été notamment utilisées pendant la guerre de Cent Ans, ont été revisitées pendant le premier conflit mondial par des militaires allemands, français, anglais, australiens, qui ont laissé sur les parois de cette carrière médiévale leur nom, des témoignages sensibles qui ont été analysés, étudiés, transcrits, parce qu'aussi l'archéologie, c'est recueillir des informations sur des périodes récentes. Et malheureusement, on intervient aussi pour des fouilles de cimetières de la Première, voire de la Deuxième Guerre mondiale, parce que si ces périodes sont dûment documentées par les textes, par les images, par les films, par les archives. On a tous, bien entendu, des informations, malheureusement, sur ces deux périodes. L'archéologie révèle aussi des éléments méconnus, des fosses communes, des camps d'internement, des jardins, des infirmeries, des témoignages comme qui sont pas assez bien inscrits dans les textes, parce qu'il s'agit pas là d'histoire officielle, mais que les archéologues, aujourd'hui, documentent et donc permettent d'aller un peu plus loin dans l'étude. Et puis, dernière image, on a pu réaliser des fouilles du dépotoir de la ville de Lyon des années 1900. Donc là, une fouille pourrait paraître anecdotique, mais réalisée par des collègues compétents qui ont croisé les données archéologiques, les données matérielles et les archives et qui permettent mieux de connaître les modes de consommation dans la ville de Lyon au début du XXe siècle et de connaître un petit peu, peut-être d'analyser le début de notre société de consommation. Alors, je terminerai peut-être, si vous voulez en savoir plus, à vous inciter à aller voir sur, notamment sur le site du ministère de la Culture, sur le site de INRAP.fr, mais également vous signaler qu'on espère, malgré la situation sanitaire, pouvoir tenir les journées archéologiques, les journées européennes de l'archéologie, que l'on organise le 18, le 19 et le 20 juin, et qui aujourd'hui touche toute l'Europe, et j'espère que l'on pourra fêter l'archéologie tous ensemble et partager nos découvertes avec le grand nombre. Vous donner quelques éléments bibliographiques très rapidement. On a écrit avec Jean-Paul Demoule, Alain Schnapp et puis une trentaine de collaborateurs une histoire des civilisations. Je sais que vous venez tous de différentes parties du monde et dans cet ouvrage, donc à la découverte, on a essayé de dresser une nouvelle histoire des civilisations grâce à l'archéologie. Sur le site de Lavaux, je renvoie à l'ouvrage sur la proto-histoire de la France.
Et puis, voilà, vous signalez que le mois prochain, aux éditions du CNRS, j'édite un petit ouvrage sur les Gaulois, voilà, dans la collection à l'œil nu. J'ai essayé de dépoussiérer le dossier des Gaulois bien inscrit dans notre histoire et dans le roman national grâce à la documentation archéologique. Normalement, le 12 mai, l'ouvrage sera disponible. Et sur cette belle image de la mosaïque de Panté à Nîmes, je vous remercie pour votre attention et puis je suis disponible pour échanger avec vous et avec nos animateurs. Voilà. Merci à toutes et à tous, et donc prêt à échanger avec vous. Bonsoir. Nous avons beaucoup de questions de la part de nos auditeurs. Alors, je vais poser la première et merci beaucoup pour cette conférence très, très claire et avec des très belles images. Alors, la première question donc de Carole Wheeler qui nous pose la question de Belgique. Elle vous demande quels sont les indices qui indiquent où il faut faire des recherches et comment trouver des grandes tombes comme celles, comme les tombes celtiques de l'Aube. Quels sont les indices qui vous permettent de voir d'emblée qu'il y a quelque chose? Alors, je vais répondre d'une manière détournée. L'universitaire que je suis, le chercheur, a eu toujours tendance, justement, en tant qu'archéologue, à aller explorer les endroits déjà connus. Pour dire, moi, j'ai été formé, j'ai fouillé en Étrurie, j'ai fouillé en Syrie, j'ai fouillé en Grèce. Et en Grèce, je fouillais déjà sur les terrains de mon maître à Délos. Et donc, les terrains des archéologues étaient limités. Aujourd'hui, le grand intérêt de l'archéologie préventive, c'est justement d'être obligé de fouiller à des endroits où on n'irait pas. Donc, parfois, on n'a pas d'indice, mais il y a une prescription de diagnostic. Mettons, sur le tracé d'un TGV, on va réaliser des sondages pour, parfois par hasard, tomber sur des sites archéologiques. Et justement, ces informations-là sont intéressantes parce que ça nous donne une vision décalée. On n'est pas dans l'accumulation de connaissances, on n'est pas dans un endroit qu'on saura aller chercher, mais sur une information qu'on n'aurait pas trouvée. Pour tout dire, mettons, la fouille de Lavaux, si j'avais su qu'il y avait eu cette tombe il y a 15 ans ou il y a 20 ans, je l'aurais fouillé moi tout seul comme un grand. C'est justement parce que rien n'indiquait la présence d'un site aussi important que c'est devenu intéressant. Parce que l'histoire, elle se construit avec des informations qu'on a tous en tête, presque une sorte de chapitre déjà préécrit. Mais ce qui permet de donner plus de poids et plus d'intérêt et plus de rebondissement, c'est quand on découvre comme ça des livres inédits, des bibliothèques inédites qui nous permettent de réécrire une nouvelle histoire. Donc, on évite bien entendu de fouiller aux endroits où il y a trop de sédiments. On pense que le site est trop profond et conservé, donc on ne va pas fouiller. On le laisse pour les générations futures. On ne va pas fouiller aux endroits où tout a été détruit, où le rocher affleure. Mais en revanche, dans les autres endroits, on pratiquera ces sondages et on essaiera de renforcer les informations. Et c'est là où parfois naissent des découvertes hors du commun. Très bien. Alors, une autre question qui nous vient du Canada, Éric Chevaucherie. Alors, plus de 2000 archéologues travaillent donc pour l'INRAP. Est-ce suffisant pour sa mission de sauvegarde des vestiges dans un pays comme la France? Alors, l'INRAP est le plus gros opérateur en Europe. Il est donc le plus grand en France. Nous ne sommes pas les seuls, pour être honnête. Des archéologues interviennent, travaillent dans les collectivités territoriales, dans certaines mairies. On va dire, allez, nous on est 2200, les collectivités c'est peut-être 300 collègues. Il y a également des archéologues dans des structures privées, on va dire 200 personnes. Donc en France, on va dire qu'il y a 3000 archéologues pour faire cette archéologie préventive. On est parfois, on a besoin parfois de forces supplémentaires,
Donc, on forme actuellement des étudiants, des jeunes chercheurs qui viennent compléter nos effectifs sous forme de contrats à durée déterminée. Et puis, le grand défi, c'est plutôt la transmission des savoirs. On y travaille à l'INRAP actuellement. Il faudra effectivement que cette archéologie nouvelle, qui n'existait pas il y a 40 ans, qui a été inventée par les archéologues qui la font aujourd'hui depuis 20 ans, on puisse comme ça en transmettre les savoirs, les savoir-faire, les techniques aux générations qui viennent. C'est ce qui se fait aujourd'hui sur le terrain et à l'université. Mais effectivement, je crois qu'aujourd'hui, le modèle français avec 3000 archéologues sur le terrain est un modèle satisfaisant. Alors, si on est plus, tant mieux, mais c'est, ça reste quand même un modèle satisfaisant. Justement, par curiosité, quel est le parcours habituel d'un archéologue? Qu'est-ce qu'il fait comme étude? Alors, l'archéologue traditionnel était un archéologue qui était formé aux lettres classiques, qui était formé à l'histoire, de l'art. Et donc, il avait une formation au départ, je vous dis, voilà, d'histoire de l'art ou d'archéologie classique, ou de lettres classiques. L'archéologie préventive a nécessité de travailler sur des terrains comme un laboratoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille aussi avec des anthropologues. Quand vous fouillez une tombe, vous fouillez un corps humain, il faut avoir des connaissances en médecine, il faut avoir des connaissances en anthropologie. Donc aujourd'hui, dans nos équipes, on a des gens qui ont une double formation d'archéologues, mais également d'anthropologues qui ont fait des études en médecine. On travaille la terre, donc on a besoin de gens qui connaissent la géologie. On trouve des restes, je vous en présentais tout à l'heure, des restes de bois, des ossements. Donc on a besoin aujourd'hui sur une équipe, un vrai archéologue est un archéologue qui n'est pas isolé. Et un vrai chantier de fouilles est un laboratoire à ciel ouvert, dans lequel on a des architectes, des topographes, des archéologues spécialistes de la culture matérielle, mais également des spécialistes en biologie, des spécialistes en sciences de la terre. Et c'est ce qui fait la force de nos équipes. Aujourd'hui, on peut plus travailler seul et je parlais tout à l'heure de génétique, d'ADN. On est obligé aujourd'hui de faire des études d'ADN. Bien entendu, c'est pas ma formation, c'est pas moi, archéologue, qui serai obligé de le faire. Alors, une autre question donc de Olivier Mignot de France. Quelle part prend le travail d'étude et de rédaction de rapports dans l'intervention de vos équipes? Alors, tout à l'heure, quand on parlait du nombre d'archéologues, j'étais entre nous, peut-être dans d'autres lieux, je dirais qu'il en faut beaucoup plus. Je disais que c'était satisfaisant. Là, pour le temps, il nous manque du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reconnaît surtout le travail de l'archéologue sur le terrain, mais il faudrait qu'on reconnaisse beaucoup plus le travail de l'archéologue en laboratoire et en ce que je fais actuellement dans le partage de la connaissance. L'archéologue, c'est pas que la fouille. Aujourd'hui, le temps, c'est malheureusement plus de la moitié sur le terrain et moins, voire beaucoup moins, pour l'étude et la transmission. Or, pour moi et pour beaucoup d'entre nous, l'archéologie, c'est la transmission et l'étude. Et donc, il faudrait avoir plus de temps pour l'étude des objets, pour l'écriture des synthèses et pour le partage de la connaissance dans les écoles, dans le milieu associatif, dans ce que nous faisons là actuellement. Ça manque cruellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrivera à trouver des moyens, des financements pour fouiller, voire entre nous, pour libérer du terrain. Vous voulez on veut construire des immeubles, on est prêt à donner des moyens à l'archéologue pour fouiller, pour pouvoir construire l'immeuble. En revanche, quand nous, on va manquer de temps et de moyens pour faire les études, le problème sera résolu, vu que l'immeuble sera construit, et à ce moment-là, on aura moins de moyens. Donc aujourd'hui, il faudrait effectivement que le ministère de la Recherche, le CNRS, le ministère de la Culture, et parfois les aménageurs, donnent plus de moyens pour cette étude. Le patrimoine n'a de sens que si, une fois qu'il est sorti du sol, il est partagé et diffusé. Alors, une autre question qui nous vient des États-Unis, de l'Alliance française de Cincinnati, par Eric Vespierre. Alors, d'autres pays européens ont-ils des initiatives similaires à l'INRAP? Parle-t-on d'une réflexion à l'échelle européenne? Merci pour cette présentation érudite. Merci beaucoup. Alors,
Malheureusement, le système de l'archéologie préventive en France n'est pas déployé dans tous les pays. Alors, certains pays, parce que le patrimoine est sacré. Alors, je donne un petit exemple. En France, on construit une autoroute. S'il y a des vestiges archéologiques, on va réaliser les fouilles sur le tracé de l'autoroute. Et l'autoroute va être bien droite. Je caricature, mais c'est ça. En Italie, vous êtes dans la plaine du Pô, qui est toute plate, et vous êtes dans votre voiture sur l'autoroute, et de temps en temps, l'autoroute fait un grand virage. Vous ne savez pas pourquoi. C'est parce que l'autoroute évite un site archéologique. Donc, dans certains, et quand vous allez à Paris, vous avez un nombre important de voies de métro, de lignes de métro. Quand vous allez à Rome ou à Naples, vous en avez un, deux ou trois, parce qu'on hésite à détruire des vestiges, et donc on met en place de manière extrêmement limitée de l'archéologie préventive. On privilégie le patrimoine, la sanctuarisation des sites, plutôt que leur fouille et leur étude. Donc ce système, vous voyez, est un petit peu un système en tension qui est… Alors moi, je le défends parce que je suis président de l'INRAP et parce que j'y crois, mais on pourrait dire aussi qu'on consomme du patrimoine et que donc on devrait… geler les sols et ne pas fouiller. Donc voilà. Donc le système qui existe en France est, à mon sens, un cercle vertueux. La fouille, l'étude, la valorisation et la construction du patrimoine pour demain, l'aménagement. Mais dans certains pays, on investit plus sur la préservation du patrimoine que sur la fouille et on préserve les sites. Et dans d'autres, malheureusement, on détruit les sites et on ne les fouille pas dans le détail. Mais ce système, voilà, je crois que équilibré est presque un système idéal. Si de temps en temps, quand on a un site hors du commun, on arrive à le préserver. Si on met des sites qu'on peut voir, parce que c'est important aussi d'aller à Nîmes et de voir des sites qui ont été fouillés et préservés, c'est très pédagogique, on a tous besoin de voir des ruines, de voir des sites. Voilà, en France, vous allez à Bibracte, vous allez à Gergovie, vous voyez des sites gaulois. Et à côté, on a l'autoroute sur laquelle on a pu enfouiller. Donc, je crois qu'il faut trouver un équilibre. Ce système est à rôder encore, à mon avis, en France, lui donner un peu plus de moyens pour le partage de la connaissance. Moi, je ne me permettrai pas de donner des leçons en disant qu'il faudrait qu'il soit mis en place partout dans le monde. Il y a des pratiques et des sensibilités au patrimoine qui peuvent être différentes. Alors, une autre question de France, de Paris, par Sandrine Mathieu, qui est une de nos professeurs d'art plastique du Centre culturel. Alors, je suis contente qu'elle pose cette question. Assez technique, existe-t-il plusieurs strates ou couches profondeur de fouilles archéologiques selon les âges? Alors, attendez, répétez la question, madame. Existe-t-il plusieurs strates ou couches de profondeur de fouilles archéologiques selon les âges? Alors, la fouille est très variable. Alors, déjà, pour répondre par une pirouette, des archéologues aujourd'hui travaillent également sur des élévations. Il nous arrive de travailler sur un mur d'une église, d'un château, d'une maison, et d'étudier les modes de construction de cet élément en étudiant les strates. Donc l'archéologie, c'est aussi l'élévation. On étudie un bâtiment comme on peut étudier en profondeur. Ensuite, on étudie parfois uniquement en surface, mais parfois extrêmement en profondeur. Les sites du Paléolithique, notamment sur le tracé du canal Seine Nord-Europe que j'évoquais tout à l'heure, ont été trouvés à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Ceci dit, dans le cadre de l'archéologie préventive, parfois on ne fouille pas les niveaux les plus profonds, justement parce qu'ils ne sont pas perturbés ou ne risquent pas d'être perturbés par les travaux d'aménagement du territoire, et donc on les laisse pour les générations futures. Il y a des choix. L'archéologie, c'est des choix. C'est pas parce que ça existe qu'on doit le fouiller. On le fouille parce que ça apporte à notre connaissance.
Je me permettais à plusieurs reprises de faire une allusion en comparant les sites archéologiques à des livres ou avec des bibliothèques. C'est la même chose. Pour nous, le patrimoine est une denrée non renouvelable. On parle souvent de la végétation ou des animaux. Le patrimoine est quelque chose qui est fini. C'est dans notre sous-sol, ça nous appartient à tous, mais donc on doit prélever les sites et lire ces sites, comme on lirait des livres, de manière très raisonnée, parce qu'on ne produira plus de sites gauloirs et on ne produira plus, pardon, ce truisme des sites néolithiques. Je vois dans le chat, en passant, qu'une personne qui nous écoute et que je remercie me dit les chiffres que vous avez annoncés sur le nombre des archéologues est sans doute à revoir. Pardon, j'ai fait ça à la louche tout à l'heure. Je partais des chiffres de collègues en contrat à durée indéterminée. Bien entendu, les stagiaires, les CDD permettraient de réviser ces chiffres. Je vous renvoie sur le net où les choses sont beaucoup plus précises et je prie de m'excuser voilà, si les données que je donnais tout à l'heure étaient imprécises. C'était des volumes de grandeur. Alors, une autre question donc de Emmanuel Mercier de France. Pensez-vous encore possible de prochaines découvertes en sites urbains de grande densité d'habitation, à Paris par exemple? Ah oui, je crois que l'INRAP travaille actuellement dans le tour de Notre-Dame de Paris. On a un bel exemple. Il y a eu l'incendie terrible il y a tout juste 2 ans, presque aujourd'hui, de Notre-Dame de Paris. Le site était bien entendu un sanctuaire connu au point de vue de l'histoire de l'art, mais très peu connu d'un point de vue archéologique. Et donc, l'étude du quartier est à faire et est à développer. Et pour l'archéologie, bien entendu, aujourd'hui, fouiller à Nîmes, fouiller à Narbonne, fouiller à Lyon, fouiller à Reims, révèle des vestiges importants. Souvent, nos villes contemporaines et modernes ont fossilisé les niveaux plus anciens. Et donc, chaque îlot urbain qui est fouillé, chaque rue, permet de compléter l'ensemble. C'est le petit exemple que je donnais tout à l'heure pour le Mont-Saint-Michel. On a l'impression de tout connaître, de tout voir, mais il nous manque les éléments de liaison. Un peu comme dans un livre, si nous manquait une page sur deux. Grâce à l'archéologie préventive, on arrive à relier un petit peu les éléments. Alors, une autre question de France, Gabriel Sheehan, qui demande « Bonsoir, l'INRAP a récemment publié plusieurs postes en CDI, dont 2 postes de géophysicien. Tendez-vous vers une systématisation des prospections géophysiques, magnétiques ou électriques afin de détecter et d'analyser des sites archéologiques ?» Alors, très très bonne question. En fin de compte, tous les moyens de détection sont nécessaires. Effectivement, on a publié ces 2 postes récemment. On a déjà une cellule de spécialistes à l'INRAP, de collègues qui permettent, grâce à des moyens géoradars et géophysiques, d'avoir une image du sous-sol sans avoir à fouiller. Donc, c'est intéressant. Alors, ceci dit, le fait d'avoir une image en sous-sol sans avoir à fouiller n'est pas une manière de répondre à tous les problèmes. Imaginez une ville occupée à la période gauloise, à la période romaine, à la période Moyen-Âge. Si vous avez une image de tous les murs, vous avez en fin de compte quelque chose de très imbriqué. Donc, ça permet de voir la densité des vestiges et ensuite, la fouille permet de leur donner une datation et de les interpréter. En revanche, en milieu rural, vous pouvez avoir une villa romaine et effectivement, la géophysique permet d'avoir le plan de la villa romaine avant même de fouiller. Et donc, ça peut être intéressant. Peut-être pour décaler les travaux d'aménagement, peut-être pour prioriser la fouille en tant que telle. En revanche, à l'heure actuelle, il est quasiment impossible de réaliser des travaux de géophysique sur un site de la préhistoire. De la terre dans la terre très enfoncée, on n'arrête pas les évidents. Donc, la géophysique, les moyens non invasifs ne permettent pas de tout voir, ils permettent de compléter.
On l'a réalisé, pour revenir dans cet exemple, dans Notre-Dame de Paris, on a réalisé une géophysique à l'endroit où était tombée la voûte. Ça permet d'avoir une image en sous-sol des éléments antérieurs à la cathédrale. Et ça donne aussi des éléments pour enrichir le cahier des charges du maître d'ouvrage pour pouvoir orienter les modalités de restauration. Alors, une autre question qui nous vient d'Allemagne, de Benoît Clouet. Fouiller à la pelle mécanique, quel compromis de la fouille préventive entre la vitesse et le respect des restes archéologiques? Alors, pardon si des images ont choqué, mais la pelle mécanique n'est pas plus violente que le scalpel. L'archéologue, en fin de compte, moi qui commence à être un vieil archéologue, je ne connais pas un outil spécifique à l'archéologue. L'archéologue emprunte la truelle au maçon, le scalpel au médecin ou au dentiste et la pelle mécanique au BTP. Mais quand il y a un grand fossé comblé à une période récente, ça sert à rien de le faire à la truelle, donc on le vide à la pelle mécanique. Lorsqu'on veut atteindre des niveaux très anciens, ben, on va faire un grand décapage avec des engins qui peuvent être colossaux. C'est un outil qu'utilise l'archéologue pour ensuite, justement, au moment où il aura besoin d'avoir des renseignements plus précis, d'utiliser des éléments beaucoup plus précieux. Voilà, donc ce n'est pas pour fouiller vite, c'est tout simplement la pelle mécanique, un outil adapté à certains éléments. Vous arrivez dans un champ où on veut faire un supermarché, fouiller les 50 premiers centimètres de terre qui ont été bouleversés par les labours n'a pas de sens. Donc, on fait de la géophysique, on passe éventuellement le détecteur, on recueille des éléments et ensuite, on va terrasser pour ensuite fouiller directement les outils. L'outil dépend de la problématique, on s'adapte, nous dit Olivier Mignot, et il a raison. Voilà, l'archéologue a une boîte d'outils et c'est à lui à utiliser toute sa boîte d'outils et surtout à être attentif à la boîte d'outils dont il aura besoin demain. Aujourd'hui, on commence à utiliser le LIDAR, ce moyen aéroporté qui permet d'avoir une image sous le couvert végétal. On a testé ça en Guyane, on a testé ça à La Réunion, c'est testé dans le Morvan. Donc, on envoie des ondes à partir d'un drone, d'un hélicoptère ou d'un avion. Ça donne une image des micro-reliefs sous les arbres et ça donne un plan aux archéologues. Donc, l'archéologue ne doit pas être figé. L'archéologue de demain ne ressemblera pas tout à fait à l'archéologue d'aujourd'hui et ses outils seront multiples. Surtout, ne pas avoir peur des outils. Comme dans tous les métiers, tous les outils ont du sens s'ils sont bien utilisés. Alors, on va passer à la dernière question donc de France. Emmanuel Mercier, y a-t-il des publications annuelles recensant toutes les découvertes effectuées chaque année? Et une autre petite question, d'autre part, il pourrait être intéressant d'exposer dans un espace dédié les découvertes les plus significatives pour un but pédagogique. Alors, je vais répondre à cette question. Tous ces outils existent plus ou moins. Alors, je vais vous y renvoyer. Chaque région, sous l'égide de la préfecture, de la DRAC, publie chaque année ce qu'on appelle des bilans scientifiques, qui donnent un état de l'ensemble des fouilles archéologiques par région française. Donc, c'est généralement publié avec un an ou deux ans de retard, mais ça existe. C'est gratuit, on peut les avoir en ligne ou dans les centres de documentation. Ça s'appelle des bilans scientifiques. L'INRAP publie sur son site archéologique les découvertes majeures et les découvertes régionales. Et on a un outil sans publicité, on est un établissement public auquel je vous renvoie, qui s'appelle ArchéoZoom. C'est en fin de compte Google Maps. Vous marquez un point, l'endroit qui vous intéresse, l'endroit où vous habitez, et ça vous mentionne tous les sites qui ont été fouillés. Et vous avez une petite notice. Autre élément, les vestiges qu'on découvre, aujourd'hui, grâce à la loi, appartiennent à l'État, ils peuvent être déposés dans les musées, et donc on retrouve des vestiges de l'INRAP dans quasiment tous les musées de France, et c'est intéressant parce que cette archéologie-là aussi nourrit nos collections publiques et nourrit des présentations.
le musée de la Romanité à Nîmes présente énormément de découvertes liées à l'INRAP. Le futur musée Narbovia à Narbonne présente des vestiges. C'est la même chose à Lyon. Dernier élément, je vous invite à aller le consulter. Sur le site de l'INRAP, vous avez quelque chose qui s'appelle la galerie muséale. On a mis au point il y a 2 ans un musée virtuel dans lequel sont présentés tous, et on souhaite qu'ils soient tous, ils sont loin d'être tous aujourd'hui, les objets découverts par l'INRAP et présentés dans des collections publiques. Donc, sans avoir à vous déplacer à Brest, à Reims ou à Nice, vous pouvez avoir les objets préhistoriques, les objets antiques dans cette galerie, dans la galerie muséale de l'INRAP. Voilà. Ben merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pense que beaucoup de gens vont consulter le site du coup pour voir tout ça. Oui, c'est très intéressant. Ceux de l'INRAP, bien entendu, et ceux du ministère de la Culture, ceux de mes collègues des collectivités, et aujourd'hui, sur Internet, on retrouve l'ensemble. Enfin, moi, je suis là pour la discipline au sens large, et donc l'ensemble de la documentation. L'archéologue aime partager. D'ailleurs, c'est la seule raison que l'archéologie puisse avoir, c'est la découverte et le partage de la connaissance. Ben merci beaucoup. Merci, un grand merci pour votre présentation passionnante. On a beaucoup de commentaires très positifs dans le chat. Peut-être que vous les avez vus. Il y avait encore beaucoup de questions. J'essayais de lire sans loucher, mais en tout cas, merci à vous tous. Et puis, on est entre nous. Merci beaucoup à vos équipes dans la mise en œuvre de cette conférence, parce que j'ai apprécié, grâce à vous tous, c'est nos échanges fluides, dans ces moments un peu durs et nos journées extrêmement denses, de pouvoir partager. Merci encore aussi à Madame Brousse qui a permis et au travail que fait Rempart, qui a permis un petit peu la liaison entre l'INRAP et vous.